Alors là, tu as pris Sweet Ballad Song. Ouais. Ça, c'est le seul film, il n'y en a pas deux, c'est le seul film d'appellation Blaxploitation. Ouais. C'est le seul film écrit, produit, réalisé par un noir. Tous les autres, non. Ce qu'est la définition, on dit Blaxploitation en croyant qu'il y a des noirs dans le film ou que des noirs, mais ce n'est pas ça, Blaxploitation c'est... Non, parce que c'est, produit, c'est réalisé et un noir joue, mais c'est produit par des New-Yorkais blancs. Ouais. Et puis ce qui est très drôle, c'est que le film de ma ville, c'est vraiment un film guérilla qui s'est monté avec peu d'argent, mais qui a eu un succès, mais je crois que c'est le film pendant très longtemps qui a ramassé le plus d'argent dans l'industrie du cinéma en général. Il a coûté 150 000 dollars, je crois que c'est en 71. Ouais. Me semble-t-il, et il a rapporté 15 millions de dollars. C'est énorme. Et dedans, c'est aussi là, on découvre un groupe qui s'appelle Earth, Wind & Fire, qui était inconnu à l'époque et qui a fait aussi le succès du film. Ouais. On écoute ? Yeah. Sweet, sweet, badass song avec alors, en plus... Alors, personne ne voulait du titre, parce que c'est un titre à coucher dehors. Ouais. Mais je crois que ce film avait tout pour ne pas réussir, quoi. Quand tu dis tout pour ne pas réussir, il y a une dimension totalement psychédélique. Mais c'est fou, dans la réalisation, c'est les 70. Le cadrage. C'est la libération sexuelle, c'est la psychédélique au teint de l'image, où on traite les flics à longueur de temps de cochons. Il y a une liberté à tous les niveaux, quoi. Et pas que politique ni artistique, c'est qu'il a gardé cette liberté, la liberté totale de faire un film hors système. Ouais. Et quand tu regardes le film, tu te dis, mais c'est quoi cet ovni ?